Élysée. J'ai comploté toute la matinée avec le cardinal Charles de Lorraine. Charlie que je l'appelle, ça l'énerve. Il faut dire qu'on a du boulot en ce moment. La France part dans tous les sens. Les protestants, les catholiques, des rebelles contre le roi et la reine. Et pourquoi pas une révolution? Oh, ce matin, je suis contente. J'ai reçu par calèche express un colis de ma petite pharmacie de quartier à Florence, Santa Maria Novella. J'ai commandé du parfum, des onguents et la spécialité des lieux, l'acqua antistérica. C'est une eau qui sert à calmer un petit peu les gens énervés. Vous pouvez être sûr que ce soir, au dîner, je vais en glisser deux gouttes dans le calice d'Henri. De mon mari, le roi, quoi. Oh, je suis agacée. Ma fille Marguerite, la petite Margot, se transforme en une véritable catin. On la fait suivre de partout avec Charlie, le cardinal Charles de Lorraine. Si elle continue à montrer ses fesses, j'ai la déshérite. À mon époque, c'était très différent. J'étais enfermée au couvent, déguisée en nonne. Je peux vous dire que le soir, on rigolait moins. Une tisane, une partie de domino et au lit. Grazie. Oh, je suis folle. J'ai surpris Henri en train de se taper une des femmes de chambre dans ma chambre, la petite Sylvie. J'espère qu'ils n'ont pas fait de tâches sur mes draps en satin de coton et brodés à Venise. Il a fallu esquinter les yeux de trois bonnes femmes pour faire une parure complète sur l'île de Burano. C'est du boulot. Déjà que je dois m'accommoder de cette catin de Diane de Poitiers qui l'emmène dans les dîners, ça promet. Oh, je suis vexée. La Gazette de Paris, le journal à la mode, vient de me consacrer sa une avec un titre tapageur. Catherine de Médicis, la reine diabolique. J'espère que mon agence CP va se bouger, sinon je les vire, dans le meilleur des cas. Heureusement que je peux compter sur Zio Clemente, mon oncle le pape, pour redorer mon blason. C'est lui qui m'a élevée à la mort de mes parents. Je connais le Vatican comme ma poche. Oh, je suis stressée. J'ai vu Ruggeri, mon astrologue, qui m'a donné des informations sur le jour de ma mort. Saint-Germain verra votre mort, m'a-t-il dit comme une prophétie. Je suis en panique. Du coup, j'ai fait assassiner tous les Germains du château. Ça fait quand même 20 personnes. Et j'ai déménagé fissa fissa du château des Saint-Germain-en-Laye. Je suis traumatisée, mais ce n'est pas possible en France d'avoir un steak cuit à la bonne température. À Florence, la bistec a ses manches bleues, très peu cuites. Alors je veux bien que le système de broche ne soit pas très précis, mais on peut faire mieux qu'une viande carbonisée tous les soirs. Et le prochain qui me scelle la pâte avec la viande, j'ai les zigouilles. La pasta primo, la carne secondo. Non è complicato.